La langue de Barbarie constitue un écosystème fluvio-maritime exceptionnel. Il s'agit là d'une bande de terre en forme de langue tendue entre l'océan Atlantique et le fleuve Sénégal. Déjà menacée entre 1927 et 1930, un mur de protection a été réalisé pour faire face à l'agressivité de la mer. La vétusté du mur, combinée aux effets des changements climatiques observés ces 10 dernières années, ont fini de fragiliser la langue de Barbarie face aux assauts de la mer. Aujourd'hui, plus que jamais, des centaines de familles sont dans une psychose permanente, assistant impuissantes à la destruction de leur maison par l'érosion côtière. De 2008 à 2010, les quartiers de la langue de Barbarie ont subi une forte avancée de la mer, entraînant des effondrements de maisons et d'édifices publics. La partie extrême nord du quartier de Gorombach a été complètement engloutie par la mer sur environ 700 mètres. Face à cette situation, l'État du Sénégal a initié un projet d'urgence de protection côtière des quartiers de la langue de Barbarie. Ce projet, porté par le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en partenariat avec la commune de Saint-Louis, est mis en œuvre par l'Office des lacs et cours d'eau au lac. Le projet, structuré autour de deux composantes, a vu sa première phase démarrer pour un coût de 4 milliards de francs CFA, entièrement pris en charge par l'État du Sénégal. Il s'agit de réaliser, sur un linéaire de 1 700 km, un ouvrage mixte composé de deux rangées de matelas Renault de 3 x 2 x 0,23, dont une rangée en fondation et une rangée en surface. Trois rangées de gabions de 2 x 1 x 1 mètre et de deux rangées de géobac de 3 x 1,4 x 0,7, soit un poids de 5 tonnes. L'ouvrage, d'une hauteur de 1,83 mètre, permet à terme de protéger les habitations contre l'érosion côtière. Aujourd'hui, les travaux de protection des quartiers de Gorombach, Santiaba, donnent un sentiment de satisfaction aux populations de la langue de Barbarie. Nous nous inquiétions à chaque fois que la mer était agitée. La nuit, on n'osait même pas dormir. Nous avons à chaque fois cherché des solutions sommaires. Aujourd'hui que l'État a réalisé cette digue pour nous protéger, nous ne pouvons que remercier le bon Dieu. Cette digue, c'est ce qu'on a toujours voulu. Quand on nous l'a annoncé, on se croyait dans un rêve. On en a vraiment besoin. Ce projet à haute intensité de main-d'œuvre participe à la création d'emplois au niveau local. Les travaux de cette composante, d'un linéaire de 1,8 km, prennent en charge la protection de la zone de Guettenard. À terme, le projet permettra de sécuriser durablement les habitations de la langue de Barbarie contre les phénomènes d'érosion côtière.